بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين. C'est une formule qu'il faut répéter autant que possible tout au long de la journée, tout au long de notre vie. De dire الحمد لله. Aujourd'hui, on a vu des personnes qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il les a assistés, parce qu'il a voulu pour eux du bien, parce qu'il a vu en eux du bien, il leur a facilité l'apprentissage de la lecture de la langue arabe. Et ça, c'est un bienfait inestimable. Et la première chose, lorsqu'on reçoit un bienfait de ce genre, surtout un bienfait qui est utile surtout pour l'au-delà, eh bien, il faut toujours se montrer humble et se montrer reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, « وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ » Si vous vous montrez reconnaissant, je vous ajouterai. Donc bien sûr, la quête de science, on sait très bien que c'est une science qu'on accumule. Le but, ce n'est pas de rester tourné autour d'une matière en rond. Non, c'est de étudier une matière, passer à une deuxième matière, une troisième, etc. Et plus on sera reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus on verra à travers cette quête de science et ces connaissances que l'on apprend une miséricorde et une grâce de sa part subhanahu wa ta'ala. Et plus, bien sûr, on le remerciera à travers les actes, parce que les remerciements, bien sûr, ça se fait par le cœur, par la langue, mais ça se fait aussi par les actes, par la mise en application. Et plus Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra d'en connaître et d'en savoir encore plus. Depuis tout à l'heure, mes deux frères, ils disent qu'il y a un grand danger qui est l'ostentation. Aujourd'hui, moi, la parenthèse que j'ai envie d'ouvrir et qui est extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fléau qui existe. Un fléau qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des personnes, sous prétexte qu'elles ont commencé à apprendre deux, trois choses, elles se présentent comme référentes. Elles se présentent comme étant des acteurs de la da'wa. Elles se présentent comme étant des personnes qui ont le droit de donner leur avis sur des questions qui les dépassent complètement. Et ça, c'est humain. C'est humain lorsqu'on apprend des choses ou lorsqu'on pense comprendre des choses, de se dire « oui, mais moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Moi aussi, j'ai mon avis à donner. » Sauf que quand on parle de matière de religion, il ne faut pas oublier qu'on parle de la religion d'Allah. On parle de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas de la nôtre. Tu es adepte de cette religion, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas toi qui fais ce que tu veux. Tu ne changes pas les règles et on ne te demande pas ton avis. Surtout quand la question a été tranchée depuis des centaines d'années par des gens qui sont beaucoup plus méritants que toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de jeunes comme ça parce qu'ils sont très attachés aux réseaux sociaux, parce qu'ils ont adopté un code qui est de quoi la mise en avant, et bien malheureusement, dans leur quête de science ou dans leur apprentissage, qu'est-ce qu'ils mettent en pratique? Exactement les mêmes codes. Dès qu'ils apprennent quelque chose, il faut qu'ils le disent à tout le monde. Alors qu'ils ne l'ont même pas mis en pratique. Et le pire, c'est qu'ils seront à la recherche du nombre de vues, du nombre de likes, des commentaires qui viennent après. Et si ça, ce n'est pas un aspect de l'ostentation, c'est quoi? Si ça, ce n'est pas un aspect de l'ostentation, qu'est-ce que c'est? À chaque fois où tu fais un rappel, tu vas regarder, mais combien de personnes l'ont regardé? Combien de personnes l'ont liké? Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir? Il y a des prophètes qui viendront le jour du jugement dernier avec zéro personne. Zéro. Est-ce qu'ils n'étaient pas sincères? Ils ne savaient pas faire da'wah? Bien sûr que si. C'était les meilleurs des créatures. C'était les meilleurs des créatures. Pourtant, malgré leurs efforts, aucune personne ne va adhérer à leur message. Et ils viendront yawm al-qiyama avec leur statut de prophète élevé avec les autres prophètes et pourtant ils n'auront personne avec eux. Alors que d'autres communautés comme la communauté de Moussa alayhi salam ou celle de Muhammad alayhi salam remplira Ard al-Mahshar. Sera noir de monde. Est-ce qu'on peut remettre en cause la sincérité de ces prophètes? Non. Non. Et pourtant aujourd'hui les gens sont comme ça. Parce qu'on malheureusement on adopte un code. On adopte un code. Un code qui ne répond pas du tout à nos valeurs religieuses. Alors faites attention, s'il vous plaît. C'est bien de faire da'wah. C'est très, très bien. Mais n'oubliez pas que c'est un chemin qui est jonché de pièges. Jonché. Et la quête de science, c'est exactement la même chose. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. » Ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs, ce sont les gens de science.
Allah, il nous dit, le prophète Sam nous dit, comme il a cité mon frère Nader, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhal Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la quête d'une science, Allah, par cela, lui facilite une voie vers le paradis. C'est-à-dire que c'est une autoroute. Quelqu'un qui fait talab al-ilm, il vient de prendre l'autoroute, d'accord, vers al-jannah. Mais c'est conditionné. Et toujours la même condition, c'est quoi? Al-ikhlas, la sincérité. Alors, parce que le mérite de talab al-ilm est énorme, parce que la place de l'étudiant en science et du savant, celui qui apprend la religion, qui la transmet, qui la, en même temps qui la protège et qui la défend, parce que c'est aussi ça le rôle du savant, parce que c'est une place qui est noble, énorme, sachez que le travail il sera aussi dur par rapport au nafs. Par rapport au nafs. Parce que là, on est assis devant vous. Et un jour, on sera debout devant Allah. Et on devra questionner pourquoi on était assis devant vous. Vous, aujourd'hui, vous êtes assis devant nous. Et un jour, vous allez vous tenir devant Allah. Et dans lequel vous devrez répondre pourquoi vous étiez assis à ce moment-là devant nous. Vous comprenez que c'est très important de revoir. Et wallahi, que si on parle de ça, que ce soit mon frère Sofiane, mon frère Nader ou moi-même aujourd'hui, c'est parce que pour plusieurs choses. Et les principales, c'est quoi? C'est parce qu'on veut votre bien. Et c'est parce que c'est un rappel que nous aussi, on a besoin. C'est un rappel que talib al-ilm, l'étudiant en science, l'étudiante en science, doit se faire au quotidien, avant d'ouvrir son livre, en fermant son livre, avant de venir ici, en quittant cet endroit-là. Et tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Ce n'est pas juste au début, hein. Oui, j'ai appris à lire aujourd'hui, non, j'étais sincère, etc. T'inquiète pas. Les intentions, le problème, c'est quoi? C'est qu'elles peuvent changer. Si tu ne guettes pas ton cœur, si tu ne l'observes pas, si tu n'analyses pas, si tu ne regardes pas un peu ce qui se passe à l'intérieur, et tu es le mieux placé pour savoir. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Allah, il n'est pas injuste. S'il y a quelque chose de mal en nous, on le sait. On le sait. Allah ne peut pas nous juger sur une chose alors que nous-mêmes, on ne le savait pas. Tu as des symptômes, par exemple, quelqu'un qui est malade, il tousse, il a le nez qui coule, il a mal à la gorge, et il ne sait pas qu'il est malade. Quelqu'un veut dire, mais tu es malade. Ah bon? Mais tu rigoles ou quoi? Tu tousses, tu as des symptômes. Nous aussi, on a des symptômes à l'intérieur. Et on le ressent. Et on le ressent. Allah, il n'est pas injuste. C'est ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que dès que vous sentez au fond de vous, là, ça commence à... tout de suite, remettre en question. C'est pas bon. C'est pas bon. Allah nous dit dans le Coran, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. N'as-tu pas vu celui à qui sa mauvaise action a été embellie jusqu'à ce qu'il la croyait ou il la voyait comme étant quelque chose de bien? فَإِنَّ اللَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah guide qui il veut. Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et nous, le but, lorsqu'on prend ce chemin vers la quête de science, c'est d'être sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Ce serait désastreux, vraiment désastreux, si toute une vie on avait passé à se priver de loisirs, de plaisirs, à avoir un rythme de vie assez contraignant autour des livres, pour qu'à la fin, Yom al-Qiyamah, on soit humilié et jeté en enfer. Le but de Talab al-Ilm, c'est le paradis. Et le paradis ne s'obtient qu'avec la satisfaction divine. Et la satisfaction divine ne s'obtient que lorsqu'on est sincère. Wallahu a'lam.